Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets, n'ayez pas peur. C'est avec ces mots de l'Évangile de Jean que je vous salue pour ce mini-culte. Gardons notre humour, prêcher dans une église à moitié vide pour un pasteur réformé, ce n'est pas une tâche complètement nouvelle. Mais Riet, Laurence, Edith et moi-même avons pris beaucoup de plaisir pour enregistrer ce mini-culte. Nous lisons dans l'Évangile de Jean au chapitre 20. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point ». Ça y est, il a passé le témoin. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Pas de grande mise en scène, pas de langue de feu, pas de vacarme, pas de centaines de gens convertis. Cela se passe dans le lieu où les disciples sont confinés. À vous de prendre le flambeau, je vous envoie. Il souffle sur eux, recevez le Saint-Esprit. Du souffle, les amis de Jésus en auront besoin pour reprendre le flambeau. Cette histoire est incroyable. Dans le sens premier, il faut qu'elle reste incroyable. Il faut que tous les Thomas aient leur chance. Jésus n'est plus présent physiquement. La foi est incroyable. Mais alors, comment reprendre le témoin? C'est assez simple. Il n'y a pas besoin de lire tout l'Évangile. Le message pourrait se résumer à ceci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et
je vous donne la paix. Et c'est justement difficile d'être crédible avec des mots tellement usés, la paix, l'amour. Et pourtant, il n'y en a pas d'autres. Il faut les habiter, il faut se battre avec. Et pour cela, nous avons besoin de souffle. C'est un beau programme d'accomplissement de soi, dégager de notre personne un climat de paix et d'amour pour les autres. Alors il y a nécessité de poser quelques signes. C'est le nom que l'évangéliste donne au miracle. Des signes qui concrétisent l'amour et la paix. Juste pour rappel, l'eau changée en vin, vous connaissez bien, pour que la fête puisse continuer en abondance. La guérison d'un paralytique et d'un aveugle pour que des gens exclus de la société soient intégrés. Le miracle des pains. Chacun apporte ce qu'il a et il y a pour tout le monde. Poser des signes, c'est encore possible et nécessaire aujourd'hui. Il faut faire preuve d'inventivité pour être là au bon endroit et au bon moment. Il faut avoir du souffle. Une dernière remarque, et c'est notre spécificité chrétienne, nous restons en lien avec le Christ et avec Dieu. Nous participons à ce projet, mais nous n'en sommes pas les instigateurs. Il y a plus que de la bonne volonté et des bonnes actions. Il y a la mission de rendre Dieu présent dans le monde. Alors mon souhait est que nous puissions nous dire les uns aux autres, tu en as du souffle, toi. Amen. Je me place devant toi, mon Dieu, et je te dis ma reconnaissance pour les personnes tellement nécessaires dans ces temps chahutés. Merci pour l'infirmière à mon chevet, l'équipe de cuisine et l'équipe du ménage. Merci pour mon boucher, mon boulanger, mon épicier. Merci pour mon coiffeur et mon physio. Je te dis aussi les situations pour lesquelles je suis complètement paumée. Toutes ces personnes fragilisées par l'exil, entassées dans des camps, les pays du Sud pour lesquels les mesures de protection sont illusoires. Souffle sur nous, Seigneur, pour que la confiance et l'espérance ne s'éteignent pas. Nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. L'ange est descendu, il roule.
que la route s'ouvre à ton approche, que le vent souffle toujours dans ton dos, que le soleil inonde et réchauffe ton visage, que la pluie ruisselle dans tes champs, et que jusqu'à notre prochaine rencontre, que Dieu te garde dans la paume de ses mains. Amen.